Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Cédric de 17 à 18 en parlant du 19. Donc aujourd'hui, 58e invité. Peut-être un jour, je dirais 2378e invité. Alors, je serai complètement décati, mais je serai toujours là. En tout cas, 58e heure de direct Facebook, YouTube. Et puis Twitter aussi, et puis voilà. Donc, je vous rappelle les petites règles. Comme c'est un live, le but, c'est que vous puissiez poser des questions à notre invité. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions en commentaire. Donc, section commentaires, que vous soyez donc sur les pages Facebook, l'atelier Tempo, le groupe Facebook de l'atelier. On a colonisé tout l'Internet. Donc, YouTube, sur Periscope, Twitter aussi. Vous pouvez faire remonter les commentaires. Donc, bref, vous pouvez absolument commenter partout, aucune excuse pour ne pas interagir. Si vous voulez regarder donc les rencontres, je vous ressors le lien YouTube pour les rencontres passées. J'ai fait une jolie playlist qui est dans l'ordre décroissant, donc du dernier au premier. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les rencontres de 17 à 18 en parlant du 19. Voilà, l'invité d'ailleurs me demandait pourquoi de 17 à 18 en parlant du 19, c'est pas le seul, mais de 17h à 18h en parlant du Covid-19. Voilà, bon, c'est un peu torturé, mais comme je voulais pas dire ni Covid, ni virus, ni quoi que ce soit, donc et que c'était de 17h à 18h et que 17, 18, 19, bon voilà, c'est très personnel. Nouveauté, si vous voulez me soutenir, voilà, c'est pas obligatoire, mais ça peut faire plaisir. J'ai aussi un profil Tipeee ou Patreon pour ceux qui connaissent la version américaine. Donc voilà, ça c'est la version française. Donc un profil Tipeee où on a eu de généreux donateurs réunionnais. Merci encore. Voilà, je propose plein de contreparties. Vous verrez, je me suis amusé à rédiger la page en tous les cas. Sans plus attendre, donc je vous présente notre invité du jour. Il est là, je le vois fumer tranquillement sa cigarette. Il s'appelle Henri-Pierre Mousset, mais on l'appelle Mousse. Il est le fondateur de Wiseband. Salut Mousse! Salut Cédric, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Avec. Bon, bah super, c'est très boisé chez toi, dis donc. Oui, le bureau est sympa, puis surtout j'ai la chance de travailler à la campagne, À Nantes? en Vendée exactement. Ah, en Vendée, très bien. Alors, je veux pas, Si tu d'accord. tends l'oreille, tu pourras entendre les petits oiseaux. D'accord, très bien. Bon, moi, je suis en Normandie, mais là, c'est plutôt les mouettes qui arrêtent pas de chier sur les fenêtres. Mais bon, voilà, t'as plutôt envie de les tuer. Mais sinon, le bruit, il est sympa aussi. Ça fait très marin. Alors, on a reçu plein de gens, mais on avait reçu notamment dans la même thématique Couroneco en distribution digitale. Donc, bah, pour ceux qui ont suivi, on est un peu dans la même, comment dirais-je, lignée. Mais c'est un autre, c'est un concurrent et il s'appelle Wiseband. Voilà. Tu veux en savoir plus? Ah bah oui, là je vais être curieux, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que Wiseband. Alors en même temps d'ailleurs je vais tiens regarde nos amis réunionnais, salut la Réunion, ils sont là tous les soirs et c'est l'apéro chez eux, donc je peux te dire ça y va. Alors donc je vais mettre en même temps donc le site effectivement de Wiseband et je te laisse donc nous présenter Wiseband. Wiseband, notre raison d'être, c'est de faire gagner de l'argent aux artistes sur Internet. Ah c'est bien. Ça fait 20 ans que j'essaie de faire ça et là, on commence à y arriver. OK. Aujourd'hui, tu t'en doutes, grâce au streaming et à la distribution digitale. Bah Mais oui. notre métier d'origine, c'était le e-commerce, le direct to fan, on dirait aujourd'hui. OK. Et donc, on en fait encore beaucoup parce qu'on aime bien ça. Et puis, à l'avenir, je vois une synergie possible entre les deux, c'est le traitement des données, des fans, des utilisateurs entre les plateformes, le e-commerce et les réseaux sociaux. Donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est des axes de développement. Ok, et donc effectivement, donc c'est assez récent hein, comme distributeur digital. Hein. Je dis pas que tes activités sont récentes, mais Wiseband, ça date de quand? Je dirais pas ça, puisqu'on a commencé en 2011. Ah ouais, bah finalement ça date. Hein. Bon bah Mais écoute. bon, c'était artisanal au début, et puis maintenant ça prend de l'ampleur. On est une dizaine de personnes en Vendée et deux à Cologne en Allemagne et sur Angers D'accord. aussi. Donc, Ah oui, effectivement, je regarde sur ton LinkedIn, Wiseband Music Services, d'ailleurs, le nom complet. 12 ans et un mois, hein, précisément, donc bon anniversaire, il y a un mois. Effectivement, et pour refaire ton parcours, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié, j'ai regardé sur ton LinkedIn, hein, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir, Henri-Pierre Mousset, je vais vous mettre le lien direct, d'ailleurs. Tu as été à l'origine du label Yotanka. ouais, en 2000, ouais.
J'ai fondé ça avec un associé. C'était pour un groupe à l'époque, un artiste qui s'appelait Mété Show. D'accord. Que je vous invite à l'écouter parce que depuis, j'ai rien entendu de comparable, de similaire. Donc, ça s'écrit Meitei Show. Ouais. Je vais aller regarder. Et effectivement, après, il y a eu plein d'autres. Il y a eu Kid Francescoli, Bikini Machine, etc. Ah ouais. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi que tu avais créé une boîte à un moment donné qui s'appelait Yozik. Alors, c'était la première version de Wiseband. Ok, d'accord. En 2007. C'est à ce moment-là aussi où j'apprenais l'informatique, à faire du code, à programmer. D'accord. Je suis un autodidacte, donc c'est toujours un peu plus long. Et puis, c'est devenu Wiseband en 2013. Et depuis, donc, j'ai laissé Yotanka à des jeunes talentueux qui sont Clarisse et Vivien, qui s'en occupent très bien maintenant. On les salue. Pour me consacrer à Wiseband. Ouais. Très bien. Donc, salut Sébastien. Salut. Non, pardon, je salue les fidèles. Raison. Il ne faudrait pas que j'oublie qu'on n'est pas que tous les deux. Absolument. On est pour l'instant 27 d'ailleurs, précisément. Le compteur est là. Voilà. Salut les 27 du coup, individuellement. Alors ça varie, je t'ai dit, il y a des flux. Et puis après, il y en a qui se connectent aussi en replay sur YouTube ou Facebook. Donc voilà. Mais en tout cas, les questions, si vous en avez, c'est évidemment maintenant sur la distribution digitale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu perdu. Et d'ailleurs, souvent les artistes me disent oui, j'aimerais distribuer ma musique, mais comment? Alors souvent, on confond évidemment agrégateur et distributeur digital. Je pense que c'est important. On en a parlé avec Kuroneko, mais je pense que c'est important qu'on le dise ici aussi. Donc, agrégateur, c'est mettre votre musique sur en ligne. Et puis, pas forcément, moi, je dirais pas de service, mais bon, quelques-uns, mais pas beaucoup. Alors que le distributeur digital, pour le coup, il y a une panoplie de services. C'est pour ça qu'on se définit comme distributeur. Je pense que la différence, c'est la commission. Un agrégateur va plutôt tendre vers zéro. Ouais. Comme TuneCore et DistroKid. Et là, effectivement, tu as un service technique plus ou moins efficace. Alors que le distributeur va s'engager dans le développement des produits et la promotion. Et ce qui fait que le distributeur va choisir aussi, puisqu'il ne peut pas s'occuper de 12 000 projets. Alors, nous, on choisit ce qu'on aide, enfin ce qu'on soutient, mais on accepte quand même toutes les musiques. Bien sûr, oui. Non, mais je veux dire, en tous les cas, vous, si possible, c'est pas une porte ouverte, comme c'est pas un guichet automatique, quoi, c'est ça que je veux dire. Si. Ah, bon, bah écoute, bah voilà. On a actuellement une centaine de sorties par semaine. Ah, quand même. Et je t'assure qu'il y a de tout. Bon, très bien. Et justement, le confinement, là, ça, bah, on en parle comme ça, après on est débarrassé. Ça a été un truc difficile ou le digital, finalement, a comment continué sa route? Le digital, on a plutôt profité. Ouais. Et le e-commerce aussi. Ah oui, aussi. En fait, il y a une mutation en cours avec la disparition des CD, la montée un peu des vinyles, mais bon, ça reste pas très important sur le marché. Et cette crise, ça accélère cette mutation parce que les CD ne se sont pas vendus depuis 3 mois. Et donc, tous les artistes, ceux qui ne le faisaient pas, en tout cas, cherchent à le vendre en ligne. Beaucoup utilisent Bandcamp, ouais. Mais ça peut être intéressant d'être sur Amazon, Fnac, et nous, on a nos propres outils aussi. Donc, on a eu beaucoup de contacts entrant d'artistes qui voulaient profiter de cette période pour passer du côté Internet. Quoi. Et puis, pour la distribution digitale, il y a eu quelques reports de sorties, mais je dirais que c'est plutôt pour les gros artistes, ceux qui sont accompagnés par des labels. Et les indés avec qui on travaille, nous, on est vraiment 100% indés. On travaille avec quelques labels, mais pas avec les majors. Eux, ils ont continué leur production et il y en a certains qui ont accéléré pour sortir plus pendant cette période. Donc pour nous, c'est tout bénef. Il y a des gagnants et des perdants dans cette affaire. Toujours pareil, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon, alors, et du coup, on va regarder un petit peu. Donc, il y a plusieurs offres, effectivement, qui sont proposées. Donc, c'est intéressant en fonction peut-être de son niveau de développement et puis peut-être son ambition digitale aussi. Donc ça marche comment Alors, il y a un accès gratuit qui est un peu comme Bandcamp qui permet de vendre en direct, soit du physique, soit du digital. Ouais. Puis c'est aussi une offre de découverte pour tester les services, avoir accès aux écrans et voir comment ça marche. Ok. Quand on fait de la distribution, il faut passer sur un compte payant. Ok.
Ça commence à 5 euros par mois, le compte artiste. Ok, ici, ouais. Et, plus des frais de distribution, mais qui sont uniques, qui sont uniquement lors de la mise en ligne, qui ne sont pas récurrents. Ok. Et plus notre commission. Donc, on situe vraiment entre les agrégateurs, TuneCore, DistroKid, et puis des distributeurs comme Bandcamp, où il n'y a pas de frais fixes, mais où c'est fermé. Believe ou Idle en France. Donc, on est vraiment entre les deux. Et des fois, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne bien comme modèle économique parce que les artistes peuvent arrêter leur compte et le reprendre quand ils veulent. Ça peut ne rien leur coûter, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Quand on n'a pas besoin, c'est-à-dire quand tu n'as pas de nouvelles sorties à faire ou des actions de promo ou du emailing aux fans, etc. Enfin, quand tu n'utilises pas la plateforme, tu fais que de la distribution, ça peut ne rien te coûter. Ok, je comprends. Et donc, du coup, alors quand on est en distribution, en vraie distribution, entre guillemets, il y a des services, il y a notamment donc le fait de pitcher auprès des plateformes de streaming. Ouais, donc ça, c'est notre offre premium. On a deux personnes actuellement chez nous, David et Alex, qui s'occupent de ça. Ouais. On a des bons résultats parce qu'on est petit, malgré tout. On est vraiment un outsider, tu vois bien, par rapport au leader mondial, par rapport à Billy. Mais on est en direct avec toutes les plateformes et ça nous ouvre des créneaux de pitch et des contacts. Et je pense qu'on est moins encombré que d'autres. Et donc, c'est l'offre à 39 euros par mois, hein, c'est ça? Oui. Alors, parfois, on négocie, ça peut être un compte artiste premium. OK. On est en train de changer un peu nos offres, mais en tout cas, c'est 15% dans ce cas-là. D'accord. Mais en tous les cas, bon, le travail sur ce de pitch, voilà, c'est vous qui le faites. Là, pour le coup, c'est pas le travail de l'attaché de presse qui est quand même recommandé de la part de l'artiste hein, ou de du petit label d'avoir quand même une promo aussi embauchée de son côté. Quoi. Ça peut être bien. Nous, on travaille avec un réseau de PR sur Nantes ou sur Paris. Okay. Ça peut, alors, quand on a les moyens, c'est bien, mais je dirais que ce n'est pas indispensable. On a des beaux succès qui se sont faits sans PR. D'accord. Sans RP, ouais. Vraiment purement digital. Il y en a de plus en plus, je trouve. Et sur, donc après, bah, évidemment, il y a tous les services, le support technique, hein, parce que ça, c'est quand même, c'est vrai que c'est souvent un peu chiant quand on met en ligne un titre, il y a un problème, et alors là, bon courage, contact@contact.fr ou .com, souvent d'ailleurs, puisque le contact n'est même pas en France. Donc là, c'est quand même un petit plus aussi. Je pense que c'est vraiment notre force pour les Français, ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que tout le monde... Des problèmes de distribution, il y en a toujours. Notamment, les plateformes ne sont vraiment pas bonnes sur l'artiste mapping. Mm. On a un article dans notre blog là-dessus. Ok. C'est-à-dire, quand tu sors avec un nom d'artiste homonyme qui existe déjà, il y a de fortes chances qu'il soit mélangé dans des profils artistes. Chaque plateforme a ses formats pour ça. Il n'y a pas de normes comme Didex, qui est la norme d'envoi des sorties. Et donc, c'est un peu le bazar. Et donc, ça se règle effectivement grâce au support. Alors, quand on anticipe la sortie, on peut s'y prendre à l'avance. Mais sinon, ça se règle une fois que l'on constate le problème et on arrive à résoudre ça auprès de toutes les plateformes. C'est un des problèmes identifiés. Il y en a d'autres encore. Et le fait de pouvoir nous avoir au téléphone, c'est vrai que c'est un plus. Et c'est vrai que c'est quand même tout un chemin, même si quand même on a réussi à améliorer le référencement et notamment la mise en page des profils avec des outils comme Spotify for Artists ou Apple for Artists. Je ne sais pas si Deezer c'est en cours ou c'est bon maintenant, Deezer for Artists, ou c'est toujours pas le cas? Non, c'est toujours pas en ligne. Il y a une version bêta qu'on a pu tester, mais c'est pas en ligne. Et elle est bien? Ouais, il y a les mêmes fonctionnalités, ouais. Ok. Après, et normalement, il y a... À l'usage, parce que les fonctionnalités, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Artists, sont quand même limitées. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire dessus. Ou tu dois passer par ton distributeur pour modifier certaines choses.
Oui, mais... sachant que normalement, enfin, il y a toujours des. Je sais que sur Spotify, on avait fait un atelier chez Spotify sur le Spotify for Artists, et en fait, il y avait la fonction pitch. Mais après, je sais pas, c'est un peu le grand bain, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément le travail que toi tu vas faire avec tes pitchers qui sont des vrais êtres humains et qui permettent d'avoir une relation avec les éditos, quoi. Ouais, c'est ça qui nous permet d'avoir des résultats. Ouais. Même s'ils sont hyper sollicités, je suis toujours étonné du peu de programmateurs en fait de playlists. Ils sont 4-5 par plateforme, quoi, ce qui est quand même quand on voit. Bon, alors après ils sont spécialisés par pays et puis par genre, mais quand même c'est quand même peu, quoi, je trouve. En même temps, un programmateur radio c'est pas beaucoup plus non plus, tu me diras. Mais je suis toujours étonné de me dire tout passe par 6 ou 8 paires d'oreilles. C'est pas beaucoup. C'est un gros boulot pour eux. Et donc, c'est aussi beaucoup d'organisation, des filtres, pour arriver jusqu'au bureau du modérateur, du curateur de chaque playlist. Ouais, c'est ça. Ils sont hyper sollicités, évidemment. Il y a une concurrence de dingue. Surtout que bah, vous êtes Wiseband, mais comme tu dis, il y a aussi tous les gros Believe, Idol, The Orchard, etc. Plus les maisons de disques qui peuvent avoir aussi, notamment les majors, des services de pitching. Donc, ça fait du monde hein, quand même. Je sais pas, je crois qu'on m'avait dit combien il y a de références par jour. 14 000 références dans le monde, non? Ou peut-être plus d'ailleurs. Plus que ça. Enfin, de sortie. Ouais. 14 000 par jour, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Mais... 140 000, ça fait 500 000 par mois. Ouais. Non, je dirais c'est le double. 1 million par mois. Ok, sympa. Donc, à 3 minutes, le titre, ça fait 3 millions d'heures d'écoute, si on veut tout écouter. Bon, on n'écoute jamais en entier. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même les écoutes se font en diagonale. Hein. Non, mais soyons honnêtes aussi quand même. Il hein. faut pas penser que même les meilleurs des programmateurs se tapent un titre en entier. On sait vite de toute façon si on est dans la couleur ou pas. Hein, c'est ça aussi. Oui, et puis comme je te disais, ils ont organisé des process qui fait qu'il y a des filtres et qu'ils n'écoutent pas tout, heureusement pour eux. Donc les filtres, c'est notamment, je pense pas trahir de secret, c'est notamment les distributeurs digitaux et les relations que les distributeurs entretiennent avec les playlisteurs. On sert un peu de ça, on sert un peu à ça pour eux, ouais. Et les attachés de presse commencent à développer ce service, mais ça se fait un peu, je dirais, de façon artisanale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas officiellement pitchers, mais c'est vrai qu'il y a des attachés de presse qui font web presse radio, peuvent proposer ce service, mais évidemment, ça n'est pas officiel, alors que c'est vrai que chez le distributeur, on en parle plus volontiers, je dirais, de ce service. Oui, c'est vraiment le cœur de notre métier maintenant. Les RP, je pense, vont travailler plutôt les playlists non officielles. Enfin, si elles ne veulent pas rentrer en conflit avec le label ou le distributeur, elles peuvent prendre ça en charge elles-mêmes. Mais je dirais plutôt les playlists tierces. Alors, ce qu'on ne comprend pas toujours aussi, c'est que, évidemment, c'est une obligation, enfin, c'est même pas une obligation, enfin, aussi, ça s'appelle comme ça, mais c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat, hein, parce que souvent, on s'imagine qu'en prenant un distributeur, on va être à coup sûr dans une playlist, évidemment, vous n'êtes pas, et que vous soyez d'ailleurs Idol, Believe ou Wiseband, vous n'êtes pas maître du monde, quoi. Hein. Oui, ça, j'oublie pas de le dire à chaque fois. Ouais. Il n'y a pas trop de déception, parce que je ne veux pas trahir de secret, mais on est entre 1 sur 5 et 1 sur 10. Quoi. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Moi j'aurais dit 1 sur 100, mais bon. Je pense que c'est un très beau résultat. Oui, c'est déjà pas mal. 1 sur 10, ouais, ou 1 sur 5, en fonction des genres, des thématiques. Il y a des thématiques sur lesquelles on est plus forte, des genres de musique sur lesquelles on est plus fort, parce que notre catalogue est meilleur dans et ce c'est quelle thématique pour vous, par exemple, pour ceux qui voudraient aller chez vous? Nous, c'est l'électro, l'urbain, bien sûr. Mais on a aussi beaucoup de musique de relaxation, musique d'ambiance. D'accord. Et de musique du monde aussi. On fait de la bonne salsa, on fait du jazz pas mal. Ok. Mais ça, c'est vrai que c'est important. Chacun a un peu sa spécialité. Et les playlists, on se rend compte qu'elles ne sont pas extensibles. Hein. Déjà en nombre, et en nombre de playlists et en nombre de titres dans une playlist. Hein. Donc forcément. Ouais. Il y a de la perte. Maintenant, il ne suffit pas de rentrer dans la playlist, il faut aussi entrer en bonne position. En plus, et ce qui est plus... Il y a un
il y a un taux de départition de plus de 70%, quoi. Entre le premier et le dernier. Je dirais même plus, en fait. Oui, sachant qu'en plus, comme c'est du streaming... Ça doit être 10%. Je pense que le dernier, il a écouté moins de 10% du premier. Ah ouais. Sachant qu'en plus, comme c'est du streaming, on peut tester en temps réel, pas comme en radio, il faut faire un petit call-out pour savoir si le titre il teste ou pas. En streaming, on peut dégager très vite. Hein. C'est-à-dire que si tu vas au bout de... ça attend pas les... Et en plus, c'est en temps réel, donc ça, c'est ça redoutable. Très vite, une journée peut suffire. Ouais. Ah oui. Ah oui. Le temps de l'annoncer, en fait, il n'y est plus, quoi. Eh, je suis sur la playlist découverte de Spotify. Ah ben non, j'y suis plus, en fait. C'est ça. Tu aurais des recommandations, toi, pour les jeunes artistes que tu croises souvent, justement, qui veulent faire le choix entre les distributeurs digitaux. C'est un peu comme le choix entre les attachés de presse, j'ai envie de te dire. Tu aurais des recommandations? Ou pas, hein. Techniquement, les services sont équivalents. Ouais. Après, le support, c'est important, on l'a dit. Et puis, ben, faut que le courant passe. Nous, on travaille avec des artistes qui aiment... notre plateforme, par exemple, parce qu'elle est organisée d'une certaine manière qui est clairement différente des autres. Donc, il faut que le courant passe bien. Donc, ça peut être uniquement sur Internet ou par téléphone ou par mail. Donc, ça, c'est pour choisir un distributeur, je ferais comme ça. Bon, sachant que pour les agrégateurs, c'est vite réglé, puisque, comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue, puisque, en fait, il n'y a pas d'interlocuteur souvent. Donc, en fait. Oui, donc ma recommandation, c'est de travailler avec Wiseman. Tout à fait. Bon, là, bon, c'est assez simple. Anto, je pense que le plus important, c'est le feeling. Mais oui, tout est une question de feeling, évidemment. Mais bon, après, évidemment, tu le connais, Anto, peut-être ? Tu travailles chez Wiseman ? Pas encore. Ok. Si, peut-être, mais je ne connais pas tous mes artistes, mes clients. Et vous recrutez d'ailleurs en ce moment chez Wiseband ou pas? Ouais, malheureusement, là, on a recruté deux personnes en juin. Ah ouais. Et on reprendra en septembre, ouais. Ok. On a recruté sur Angers. Et ça va continuer. Et vous, votre pari, c'est finalement d'être quand même présent en région, c'est ça? Bah. C'est mon histoire perso, donc c'est pas vraiment un choix, c'est même plutôt un handicap, parce que quand même les gros acteurs sont parisiens dans la musique. Mais il est client, il a dit, pour avoir testé plusieurs distribs, Wiseband est plus efficace, donc un client satisfait. Merci Anto. C'est quoi ton nom d'artiste? Non. Ça doit être Cornelius, je pense. Si tu veux, tu peux mettre ta page Facebook en commentaire. Et donc, c'est un choix, c'est plutôt un handicap, mais après, on monte à Paris facilement. Et puis, question qualité de vie, il n'y a pas photo. J'ai quitté Paris en décembre dernier, donc je ne peux que confirmer ton point de vue. Voilà. Merci. Voilà, la qualité de vie, c'est vrai que c'est hyper important. Et puis, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire à distance. Bah, la preuve, d'ailleurs, tu vois, donc. Voilà. Anto, tu veux vraiment une réduc, hein. Je suis chez Western depuis quelques temps, je suis pas déçu. Electronize Me. Je le reconnais. Effectivement, c'est parmi ce qu'on a de meilleur actuellement. Ah bah écoute. Bon bah alors si les deux se plaisent en plus, alors vraiment voilà, un feeling total, bravo. Un commerçant et un client satisfait, bah voilà, que de mieux, hein, j'ai envie de dire. Oui, donc Electro, effectivement, sous le label, c'est-à-dire que vous faites aussi, vous distribuez aussi des labels, c'est ça? Oui, quelques-uns, oui. Et donc, on a une offre multi-artiste qui va assez loin dans le traitement des données pour préparer les royalties, intégrer d'autres sources de données, ce dont a besoin un label pour avoir une vue précise de ces périodes de royalties. Ça, c'est une problématique qui se pose pour eux. Savoir, c'est-à-dire répartir tout ce qui a été versé, quelle que soit la date de versement ou la date de décompte. Et donc, on travaille là-dessus. C'est un axe fort de développement pour une quinzaine de labels qui ont vraiment des sorties toutes les semaines. OK. Et donc, le digital, effectivement, comme dirait Bachung, ne connaît pas la crise. Bah non, c'est l'avenir, je savais déjà. Cette petite entreprise ne connaît pas la crise.
je le savais, quand j'ai commencé en 2007 ou même en 2013, c'était pas gagné non plus. Ouais. Donc, il faut être patient. Je peux passer le message que c'est très positif pour le marché de la musique. Je discute souvent encore avec des artistes qui se plaignent du taux de rémunération au stream sur les plateformes, mais si on regarde globalement, ça permet au marché de faire plus 10 alors qu'il était à moins 10 pendant 10 ans. Et donc ça, c'est positif, même si après, c'est réparti entre les blockbusters, le mainstream et puis les indés. Mais ça, c'est toujours été comme ça, ça change. Il n'y a rien de nouveau. Et globalement, il y a des opportunités. Mais effectivement, on ne se rend pas compte, mais ce marché du digital est finalement très jeune. Je me souviens que quand on était chez Believe, quand on faisait nos petits ateliers, il y avait Denis de Gaillery qui était venu nous raconter l'histoire de Believe. C'était d'ailleurs incroyable puisqu'il a commencé chez lui en 2006 avec sa bagnole pour aller chercher des CD aux maisons de disques qu'il voulait bien lui confier pour les scanner et puis pour les mettre en ligne. Et donc il y a deux, trois comme ça clients qui lui ont fait confiance et puis voilà. Alors après ça a pris très vite, mais en 2006, ce qui est quand même pas si vieux, ça fait 14 ans, et en 2006 il n'y avait personne, quoi. Ça dérange pas que je fume alors? Ah ben non, je t'en prie, c'est un espace fumeur. C'est espace fumeur parce qu'en fait on avait trop d'invités qui fumaient et donc du coup voilà, on autorise. Ah par contre rigole, hein, parce que si ça se trouve dans 10 ans on aura le ce sera tellement développé qu'on aura l'odeur, on sera avec des casques comme ça, on aura l'odeur, on pourra sous-toucher et tout, voilà, enfin ou peut-être plus d'ailleurs du tout puisque vu ce qui se passe avec les épidémies, mais bon bref, en tout cas on sera virtuellement développé. Mais effectivement 2006, moi je trouve que c'est jeune, surtout que c'est pas... Ça a été très très vite, et ce qui est positif c'est que je vois pas de raison à ce que la croissance s'arrête là dans les 10 prochaines années. D'abord, on ouvre des nouvelles plateformes tous les ans. Il y a des succès aussi. TikTok, c'est vraiment un gros succès, globalement, et pour les artistes qui sont dessus. Et moi, je vois une plateforme de ce type-là par an, capable d'aller grappiller des points sur les leaders. Et donc, ça entretient la concurrence, le marché, et c'est tout bon. Oui, alors effectivement, ce que tu disais, c'était la rémunération qui est... Je ne sais même plus quoi dire d'ailleurs, si c'est bon ou mauvais, puisque effectivement, tout dépend du nombre de streams. Hein, c'est toujours pareil. Après, c'est pas idéal, on va dire. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas la même sur toutes les plateformes. Et que oui. Si on veut critiquer, eh ben, y en a à critiquer d'abord, puis d'autres moins. Et ouais, donc, le plus mauvais, c'est Facebook aujourd'hui. Tu vois, c'est pire que YouTube. Ouh, attention, il nous est... Fais gaffe. Et là, tu vois le live. mais quand même, on a commencé à gagner de l'argent sur Facebook. Donc ça, c'est positif. Et ça ouais, va c'est monter. Déjà pas mal. Déjà, il y a une rémunération. Ouais, et ça va monter. YouTube ensuite, qui est vraiment très faible. Tout ce qui est monétisation, de toute façon, c'est moins. Le TikTok aussi, ça ne paye pas beaucoup. Ah ouais. Okay. Au stream, à l'écoute. Et puis la après, meilleure, c'est Apple Music, non? Alors... Après, dans l'ordre, Spotify, qui paye moins que Deezer et qui paye moins que Apple et qui paye moins que Qobuz, bien sûr, et qui paye moins que Tidal quand Tidal paye. Ce qui est pas... Ah, c'est pas une petite nuance. Bah, j'ai pas d'inquiétude, mais c'est pas les mieux organisés de ce point de vue-là. Bon, depuis le début, d'ailleurs, c'est un peu le bordel, ce truc. Hein. Je trouve ça très joli, mais c'est quand même un sacré beau bordel. Hein. Avec les inquiétudes qu'on a actuellement sur la répartition interne. Alors dis donc, t'as fait venir tous tes fans, hein. Andrew Taulier, West Bend Service au top, je recommande Humain et partenaire au Hellfest, bravo. Bah écoute, voilà, hein, ça pour le service client, nickel, hein. Ça fait deux quand même, c'est pas mal, hein. J'avoue que pour les autres on n'avait pas tout ça, hein. Vous êtes quand même pas mal organisé, hein. Mais effectivement, donc les rémunérations, ça dépend de la plateforme, ça dépend aussi si on touche des abonnés ou des non-abonnés. Ça va évoluer tout ça quand même, non, j'imagine? Ouais, Google est en train de fermer Google Music, donc, pour la fin de l'année. Donc, ils passent les utilisateurs sur YouTube. Donc, ça se fait plutôt en douceur, c'est-à-dire que tu as plein d'alertes qui te recommandent de switcher ton compte, c'est automatique. Et mais donc, c'était super moche, Google Music. Ouais, il y en a de plus en plus donc, qui arrivent sur YouTube Premium. Et effectivement, la YouTube Premium, c'est bien meilleur que le YouTube qu'on connaît habituellement. En taux, en prix par stream, c'est vraiment, ah, okay. C'est vraiment bon. Non, je pensais que tu parlais en termes de qualité, non, c'est en termes de rémunération.
En qualité audio, bah, ça reste YouTube, c'est dans la norme, c'est pas top. Mais en rémunération, c'est bien meilleur. Et donc, c'est comme ça que YouTube va régler son problème, je pense. J'espère. Okay. Anto Cornelius nous dit, après Spotify, c'est surtout le potentiel auditeur qui est cool, que Deezer n'a pas. Dans la musique électro, il y a tellement de playlists. Spotify est vraiment le leader là-dessus, ouais. Ouais, ok. Bon, après, évidemment. Alors, après, je crois qu'il y a combien dans le monde ? Il y a 240 plateformes, non ? Un truc dans le genre, quand on veut distribuer, il y a marqué 240, voire plus maintenant, peut-être. Ça fait un moment que c'était à 240. Bah oui, puis il y a plein de sortes de distributeurs. Il y en a plein qui ne sont pas vraiment des distributeurs. C'est-à-dire qu'ils font ça en plus d'un autre distributeur, qui ne sont pas en direct, quoi. Ah, ok. Mais en tout cas, quand on est distribué, il faut tout cocher, hein. Ouais, c'est facile d'avoir un compte chez Believe et puis de passer sa distribution par Believe ou par d'autres intermédiaires. Le problème, c'est qu'à chaque fois, tu perds des points et ce n'est pas toujours très clair. Parce qu'effectivement... Des plateformes qui livrent en direct, à ma connaissance, il y en a 70. Ah oui. Bon. Et vous êtes distribué par qui ? Par vous-même ? Oui, on est vraiment en direct. D'accord. Ok, c'est une nuance avec Couronne Echo qu'on a reçu par exemple, qui sont chez Believe. Absolument. Et donc ça, mais effectivement… Ils sont quand même de très bons partenaires à nous, puisqu'ils font aussi de la fabrication. Oui. De CD et de vinyle en Pologne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est en Pologne, oui, effectivement. C'est en Pologne, une usine de vinyle avec 100 employés, je crois, dans le genre. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une petite usine. Mais non, je précisais ça, ce n'était pas du tout pour critiquer. Hein. C'était juste pour que les auditeurs comprennent les nuances, parce que c'est vrai que c'est très compliqué toujours de comprendre //. Tu sais, là, en l'occurrence, c'est Couronne Echo /Believe, etc. Alors que Wiseband, finalement, c'est Wiseband /Wiseband. Pour être très transparent, donc on est en direct à toutes les plateformes, c'est juste techniquement, depuis l'année dernière, Spotify nous a obligés à passer par un autre, ce qu'on appelle un feed. Donc, c'est un partenaire technique. On passe par Fuga pour ça. Okay. Parce qu'eux voulaient limiter leur nombre de feeds entrants. On était obligé de le faire, donc on l'a fait. Okay. Mais ce n'est pas un pourcentage. Dans ce cas-là, c'est des frais fixes qui viennent qu'on paye sur notre marge. Ouais, c'est vraiment technique, quoi. Mm-hmm. Ok. Et donc, effectivement, donc dans le paysage, donc vous travaillez aussi avec Couronne Echo donc pour la fabrication physique, hein, donc c'est ça. Et on vend leur merch, en fait. Ah ouais, d'accord, donc c'est une symbiose, quoi. Bon, je ne veux pas dire de bêtises. Il y a ma collègue Cécile qui me reprend, mais en tout cas, on bosse avec eux sur le merch et j'espère bientôt sur le digital, c'est un message. Ah, salut, donc voilà, attention, message officiel, voilà, on passe par JR, des canaux. Ouais, voilà, c'est un message à JR. On a envie de message faire à JR de Couronne Echo ? Oui, on a envie de faire du digital pour eux. Très bien, bon, parfait. Nous, on a eu Florian Dubreuil, donc voilà, il y a eu un cœur qui est apparu au même moment, je ne sais pas si, voilà. Non, c'était pas, voilà. Que dire d'autre ? Eh ben, écoute, donc sur les offres, c'est assez limpide, hein, ce qu'on a regardé là, donc les offres, effectivement… Un compte gratuit pour tester. Donc, ça, au moins, voilà, ça n'engage à rien, comme on dit. Et après, artiste pro premium. Alors, tu as dit que tu allais revoir un peu, peut-être entre les trois, là, c'est ça qui a une. Bah, c'est-à-dire, ce qu'on fait actuellement, c'est que l'offre premium, on la donne aussi. Elle est aussi accessible aux artistes. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, il n'y a pas les frais mensuels. Enfin, il y a des frais de 5 euros au lieu de 39 euros. Il n'y a pas la gestion multi-artiste. Tu peux quand même sortir des titres de plusieurs artistes différents, mais dans la répartition des ventes entre artistes, dans la préparation des royalties, c'est moins perfectionné. Mais tu as accès à notre service promo et tu payes 15%. Voilà, c'est ça, c'est les pourcentages qui sont à la fin. C'est ça qu'on doit mettre à jour. Et puis, les nouveautés, moi, je veux développer cette offre gratuite sur la partie merch. Notre ambition, c'est vraiment de faire un Bandcamp, mais gratuit, où tu n'as pas de commission, tu vois. Ok, donc effectivement, c'est les outils promo, hein, en fait, c'est ça, hein, les outils promo pour la fanbase, quoi. Oui, alors, ça, c'est des choses qu'on travaille depuis longtemps, qu'on essaye d'améliorer. C'est le cœur de notre savoir-faire. Partir d'une fanbase existante pour la faire grossir et faire en sorte que ça fonctionne aussi sur les plateformes.
on fait encore beaucoup d'emailing, par exemple. Ah ouais, d'accord. Et en termes de, bah, par exemple, par rapport à DeFi Music, c'est qu'ils font du merch aussi, c'est ça, c'est les concurrents. On est vraiment concurrents avec DeFi sur la partie. Oui, mais ils font pas distribution, eux. Oui, voilà. Sur la partie boutique, fabrication et expédition aussi. On est vraiment concurrents. Ouais. Ah, il y a Anto Cornelius qui est de retour. Il a une question. Est-ce qu'il sera possible un jour d'avoir un partenariat avec SoundCloud? La musique électro y est bien implantée. Beaucoup d'artistes indés tentent de percer sur cette plateforme. Oui, on y réfléchit souvent. On a même essayé de le faire. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et puis, on a fait marche arrière parce que les artistes n'étaient pas contents que leur musique ne soit pas accessible au gratuit. Ah ouais, parce qu'après, il y a l'empreinte, hein, c'est ça qui… Ouais, et donc, alors, il y a peut-être des options supplémentaires maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas possible. C'était soit gratuit, soit au compte payant, mais tu ne pouvais pas avoir les deux. Ouais, je comprends. Et comme SoundCloud, c'est quand même une plateforme de promotion encore, beaucoup. Oui, oui. C'est important d'y être, alors surtout dans certaines communautés, dans certaines esthétiques, dans l'électro notamment. Et donc, pour l'instant, on a pas ouvert les canaux de distrib avec SoundCloud. Okay. Je note la question, on va en reparler avec l'équipe dès que tout le monde sera rentré de vacances. Ah, attention, Mousse note. Très bien. Et Pascal Le Goff qui dit que Wiseman, c'est trop fort. Donc, ah, Le Goff Mousset, ben oui, j'imagine. Elle a rajouté un cœur, on a compris. Bon, très bien. C'est un peu moins objectif, mais quand même, on prend en compte. On prend en compte le service client, on prend en compte. Merci Pascal. Anto dit, ouais, normalement, c'est toujours payant. Pour SoundCloud, ouais. Voilà. Il y avait une époque où Spotify, si ma mémoire est bonne, avait essayé de se lancer aussi dans la distribution digitale, hein, et ils ont vite arrêté, je crois. Mmh. Et pourtant, c'était que des gros qui prenaient, donc ça pouvait être plus simple. Ouais. Mais je crois que... Alors, ça nous a fait un petit peu peur sur le moment. Bah oui, oui, oui. On s'est dit, si c'est une tendance lourde et que toutes les plateformes vont vers là, c'est un peu notre métier, mais en fait, c'est pas possible. Parce que la problématique de travailler avec les artistes, c'est celle de la rémunération, du paiement. Et quand tu veux payer dans des pays différents, avec des régimes différents, ah oui, c'est super compliqué. Et tu as besoin d'un distributeur qui fait ça. C'est la force de Believe. Tu sais qu'il y a des bureaux dans tous les pays pour s'adapter à la fiscalité de chaque pays. C'est la force de Fuga aussi, hein, des Hollandais qui font ça très, très bien. Et nous, c'est ce qu'on développe également. Et donc, je dirais à chaque artiste, il y a un cas particulier. Ouais, donc vous êtes plus trop menacé. Pour éviter de payer 30% ou 50% de retenue à la source, tu vois, dès que tu fais passer de l'argent entre les pays, ça peut être rédhibitoire. Il y a Sébastien qui dit, si on a une belle moustache, on peut espérer plus de commissions. Absolument. Il faut m'en payer la moustache en MP. Et Sandrine, donc de La Réunion, nous demande, est-ce que vous pouvez en dire plus sur la prestation promotion d'artistes? Alors, le premier, c'est le pitch dans les playlists officielles. Je disais, ça, c'est notre cœur de métier. Après, on a un peu d'expérience. On utilise aussi des solutions externes que vous connaissez, Groover, qui est super. Mais il y en a d'autres, il y en a dans chaque pays pour ça. Parfois on fait même des envois aux médias, mais je crois qu'on va pas continuer à faire ça parce que c'est un peu du gaspillage, ça arrive à la poubelle. Actuellement, ce qu'on fait et qui fonctionne bien, c'est de fabriquer des vinyles et de les donner en main propre aux journalistes. Okay. Avec ça, tu peux avoir des bons contacts. Et il y a un Groover par pays, c'est ça en fait, hein, c'est un système mondial en fait, enfin un Groover n'a pas le monde, mais je veux dire, c'est souvent d'autres systèmes, parce que Groover c'est assez original sur la méthode, sur le fonctionnement, je leur tire mon chapeau d'ailleurs. Donc il n'y a pas ça dans tous les pays, mais il y a d'autres solutions pour plugger des titres dans des radios plus ou moins officielles. Et nous, notre chance c'est qu'on les connaît, on les a testés, et donc on va éviter
de payer des arnaques parce qu'il y en a aussi plein. Bien sûr, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, après. Ça, c'est notre service actuel, mais c'est quelque chose qu'on veut développer grâce au traitement, enfin, à l'analyse des données. Mon goal, mon but, mon goal achievement, c'est d'arriver à matcher les données des plateformes avec les données des réseaux sociaux et les emails qu'on a grâce au e-commerce pour arriver à développer des bases fans comme ça. Vous faites faites de la promo sur Facebook? Bien sûr, on a des campagnes promo. Alors, ce qu'on va sortir d'ici la fin de l'année, grâce à Alex qui nous a rejoint au mois de juin, qui est un spécialiste de ce domaine-là, c'est des packs promo, un peu clé en main, où tu décides ce que tu investis et nous, on va flécher. Optimiser. Entre Facebook, YouTube, d'autres, entre le display, d'autres actions directes. Et puis maintenant aussi, ce qui est ouvert, enfin, ce à quoi on peut donner accès, c'est des campagnes in-store à l'intérieur de Facebook ou à l'intérieur de Deezer. Pour l'instant, on a ces deux-là et ça permet d'aller toucher des fans vraiment dans la plateforme. Et donc, on va proposer un mix de ces actions sous la forme de pack promo. Et ça, c'est pour, j'espère, octobre. Ah d'accord, c'est cool. C'est vraiment ce qu'attendent les artistes indés. C'est des choses un peu clés en main et qui marchent et efficaces. C'est vrai que c'est compliqué quand on n'y connaît rien devant toutes ces offres de promo qui sont d'ailleurs souvent pas chères, mais bon, c'est pas parce que c'est pas cher que voilà, il faut pas savoir l'utiliser. Et malheureusement, effectivement, s'il y a rien de centralisé, ça, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Mais ouais. Donc nous, on travaille ça parce qu'on est convaincu que ça va être indispensable, mais on n'est pas les seuls, les majors aussi, les labels aussi. Ouais. Et le travail de label, tu sais, c'est de la publicité. Enfin, il y a de la production, mais il y a aussi beaucoup de publicité. Bien sûr, c'est-à-dire marketing. Ouais. Investir au bon moment, le montant qu'il faut pour aller toucher le public. Et ça switch vers le digital aussi vite que les CD arrêtent de se vendre, si tu veux. Et donc, toutes les agences médias qui faisaient ça essayent de le faire plus ou moins bien. Et nous, on a un peu d'expérience dans ce domaine-là. Et est-ce que tu travailles avec Clox ou Tradespotting? Absolument. Justement, voilà, ok, d'accord. Absolument, mais là, ce qu'on va proposer, c'est en interne pour réduire les coûts aussi et avoir des offres accessibles. Je pense qu'on va commencer à 200-300 euros. Ok, oui, parce qu'en fait, je me souviens qu'au début, chez Clox, notamment, ils proposaient un ticket d'entrée à 50 euros, mais ils se sont vite rendu compte que ça ne sert à rien, quoi. C'est vrai que c'est difficile quand tu n'as pas un minimum de budget, ouais. Ouais, il faut que ça tourne quand même le truc. Hein. La campagne, pour qu'elle soit optimisée, enfin, l'intelligence artificielle, notamment de Facebook, pour que ça tourne, il faut du fuel, et le fuel, c'est de l'argent, et donc il faut quand même, voilà, même si ça ne suffit pas, il faut aussi optimiser et faire des belles campagnes. Tu as tout compris. Merci. Je me suis spécialisé pendant le confinement sur la pub Facebook, j'ai adoré. Tu connais le podcast No Pay No Play? Non. Moi, j'ai fait de la pub à chaque fois. Tiens, Joseph Dogneau, on a même fait un No Pay No Play, on a même fait un Facebook Live. Donc en fait, c'est un mec qui est spécialisé. Il y a même une certification Facebook qui existe d'ailleurs qui s'appelle Blueprint pour les gars qui veulent devenir consultants pour la pub Facebook. Et No Pay No Play, je vais te mettre le lien. Ouais, mais je vais le remettre aux gens, tiens. Et en fait, le gars, il a fait une trentaine d'épisodes et en fait, il explique la pub Facebook et c'est très technique et c'est très intéressant. Il a une formation aussi, une version gratuite en ligne pour commencer et une masterclass payante qui est très cool. Et en fait, où il donne tout l'écosystème. Alors, Facebook et Instagram, évidemment, hein, puisque Facebook, c'est Instagram et Instagram, c'est Facebook. C'est aussi WhatsApp et puis il va racheter le monde entier de toute façon. Donc, il va commencer à racheter. D'ailleurs, j'ai vu que maintenant, quand tu allumes Facebook ou autre, il met tous les icônes, là, Instagram, etc. Ouais. Ou Instagram for Facebook ou Facebook for Instagram. Enfin, bon, ça y est, Marco commence à vraiment racheter tout ce qui bouge. Mais en tout cas, c'est très efficace. Il y a des budgets assez peu élevés. Sauf que quand même, il faut, comme tu le dis là, un savoir-faire et une expertise, parce que je dirais que même le bouton bleu, mettre 10 balles sur le bouton bleu, booster la publication, ça sert pas à rien, mais quasi quand même. Parce que c'est juste pour avoir des likes. Les likes, c'est bon, on est arrivé au bout, quoi, tu vois. Les likes, voilà. Ouais. Il faut des engagements, il faut des choses concrètes. Il faut un minimum de budget, et puis c'est quand même mieux d'avoir du remarketing. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire une base d'utilisateurs, et si possible qualifiés avec quel genre de musique ils ont aimé,
quels artistes similaires ils ont aimé. Là, il y a des axes vachement intéressants à travailler. Parce que c'est terrible, Facebook, hein. C'est terrible dans les deux sens du terme, d'ailleurs. C'est-à-dire que Facebook, c'est absolument tout ce que vous faites sur Facebook, voire ailleurs, puisqu'avec les pixels Facebook, vous pouvez installer ça sur des sites. Moi, je l'ai installé. Et en fait, on sait ce que les utilisateurs font, à quel moment, etc. Et donc, du coup, ça permet de dessiner des profils, des personas, quoi, en fait. Et du coup, de vraiment de cibler de façon très précise. Hein. C'est là que c'est complètement dingue, hein, par rapport à la pub à papa ou le spot TF1 où effectivement il y avait beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup de monde qui n'était pas concerné. Là, tu peux y aller. T'as arrosé comme ça et maintenant tu vas arroser comme ça. Bon, en même temps, c'était sur des millions de personnes. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, sur des millions, le ratio, il est quand même sympa. Oui, ouais, et puis c'est assez critiqué, mais moi, perso, ça ne me dérange pas. Tout ça, c'est pour faire de la pub. Hein. Bien donc, sûr. Si la pub, elle peut être un peu plus qualifiée. Pour moi, mais bah, tant mieux, ça me dérange pas. Bien sûr. Et même musicalement, si on me propose des choses que je connais pas, mais qui sont proches de ce que je connais, bah, ça peut peut-être avoir un intérêt. Oui, c'est le système. Moi, j'utilise beaucoup le flow Deezer, par exemple. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est que le Deezer apprend ce que t'aimes. Comprend ce que t'aimes, et en fait c'est vrai que maintenant mon flow il est impressionnant, quoi. Il y a des trucs, je me dis, ah ouais, même j'avais même oublié ça. Moi, je suis un peu fan des années 80, et donc un peu, tu vois, comme tous les mecs, un peu nostalgique, et en fait ils ressortent des titres, tu vois, là il y a des titres de Gold, tu vois, Calicoba, enfin le truc, jamais je cherchais ça sur voilà, ils me proposent Calicoba, je suis hyper content d'écouter Calicoba de Gold. Ouais, mais je te rassure, t'es comme tout le monde, c'est vrai que tu écoutes la musique que t'écoutais quand t'avais 20 ans. Voilà, ouais, enfin un peu moins quand même. Oui, 15. Et moi aussi. Voilà, non, c'est de toute façon, c'est la Madeleine Proust, hein, si tu veux, comme le monde. Et ça, c'est vrai que les algorithmes l'ont bien compris. Et effectivement, c'est impressionnant, quoi. Question de Cornelius qui revient, notre bon client Cornelius. Nouvelle question, la synchro. Est-ce que vous en occupez de la synchro? Vous faites de la synchro? On fait de la synchro grâce à des éditeurs, parce que c'est le métier d'un éditeur avec qui on travaille. D'une manière très proche. Effectivement, quand il y a du potentiel, ça se gère. Et là, c'est difficile de le faire tout seul. Oui, bien sûr. Non, ben, vous ne pouvez pas tout faire non plus. Hein. Ça rajoute une casquette et puis une casquette grosse. Ouais, je pense à l'artiste quand même. Le changement, nous, on a de plus en plus d'artistes entrepreneurs. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils gèrent tout eux-mêmes. Et ça marche. Enfin, il y en a pour lesquels ça marche. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Ouais. Il faut être capable d'assumer tout ça. Mais et donc le publishing, je mettrais ça quand même à côté parce que il y a des problématiques un peu plus compliquées, juridiques notamment. Dès que tu mets de la musique à l'image, il faut se poser la question combien de temps elle va rester sur cette image et combien de temps elle va pouvoir être diffusée. Et normalement, bah, c'est à vie ou à 50 ou 70 ans après la mort de l'auteur. Donc ça peut aller. Quand tu t'engages comme ça, c'est mieux de le faire avec quelqu'un. Adrien Krupel, tu étais déjà là, je crois. Salut Adrien. Il était déjà là hier. Salut, c'est Adrien. Bernier qui est éditrice d'ailleurs. Qui fait donc de la synchro. Eh ben écoute, on a déjà vu pas mal de choses. Comment on pourrait joliment conclure tout ça en disant donc bon, à part choisissez Wiseband, hein, parce qu'évidemment, donc on a bien compris là, on est tous convaincus. Tu vas avoir un flux de donc qu'est-ce que tu conseilles donc de tester un compte gratuit, c'est ça, de s'inscrire avec un compte gratuit et puis de tester sur une sortie ou non, ça ne vaut pas le coup Alors, pour tester sur une sortie, ce ne sera pas possible avec le compte gratuit, il faudra payer. Le conseil, c'est de prendre un compte artiste, ça coûte 49 euros. Tu as une distrib avec ça, soit d'un album, soit d'un single. Et effectivement, tester, c'est adopter. Ouais. Alors, tout à fait. Tester, oui, mais avec un petit peu d'organisation, c'est-à-dire pour une sortie dans 3 semaines. Ah oui, c'est important ça. Pour nous laisser le temps de travailler les pitchs, de travailler la promo, de régler ces problèmes d'artiste mapping dont on parlait au début, tu sais, de référencement. Ouais. Pour que la distrib soit vraiment au top, il faut un peu de temps. Et pour le pitch aussi, donc un compte artiste, 49 euros, une distribution, 3 semaines de délai, et là tu verras le résultat. Ouais. Trois semaines, un peu plus, non? Ou 3 semaines, c'est bien?
3 semaines, c'est bien. Plus, ça ne me paraît pas nécessaire. D'accord, ok. Enfin, sur la partie digitale. Ok, très bien. Non, mais en tout cas, c'est... Les médias, effectivement, c'est mieux de les travailler avant. Mais bon, c'est bien après aussi. Ah, ben regarde, encore un client satisfait. C'est le troisième. On ne compte pas ta femme, hein, du coup, ça fait 3. voilà. Effectivement, voilà, Adrien, donc Césaria, Monitors and More. Oui, donc effectivement, 3 semaines pour la distribution digitale. Mais si je disais ça aussi, c'est parce que souvent c'est 3 jours, donc voilà, ça c'est pas possible. Oui, non, on peut même faire de la livraison instantanée. On fait ça exceptionnellement pour des projets qui le méritent ou parce qu'il y a un besoin. Ouais. Non, c'est 2 jours actuellement. Nos délais pour les plus grands, Apple, Spotify, Deezer. Mais c'est mieux de se laisser 3 semaines. Ouais. Non, mais comme tu dis, en plus, ce n'est pas juste un délai technique de mise en ligne, c'est un délai de promotion organique que vous puissiez avoir le temps. Parce que ce que ne comprennent pas parfois les artistes, c'est qu'il faut. Les gens, ils veulent des nouveautés, en fait. Les médias veulent des nouveautés. Donc, si c'est sorti, c'est trop tard pour les médias, quoi. Donc, en fait, 3 semaines, c'est bien, mais il faut vraiment les 3 semaines, quoi. Oui, alors quand tu travailles avec quand tu veux obtenir des médias, c'est bien de prendre plus de temps, mais je mettrai un petit bémol à ce que tu dis. Aujourd'hui, tu peux réussir en digital, en streaming, sans les médias, uniquement avec les fans, uniquement avec les auditeurs. Et c'est le sens des packs promo qu'on propose, c'est ça. Et dans ce cas-là, tu peux aller plus vite. Et 3 semaines. Oui, c'est sûr. Ça suffit. Après, si c'est bien si tu as développé quand même une petite fanbase, parce que si tu as 50 fans sur une page, c'est un peu chaud quand même. C'est vrai que quand on dit artiste entrepreneur et tout, c'est-à-dire qu'ils ont tellement bien entrepris qu'ils ont aussi une belle fanbase, quoi. C'est indispensable. C'est leur trésor de guerre. Sachant que d'ailleurs, prenez soin de vos newsletters parce que c'est aussi le trésor de guerre, parce qu'effectivement, comme on parlait de la pub Facebook, ça permet d'uploader des fichiers fans ou clients, si vous préférez, et qui permet effectivement après de cibler directement et les gens qui leur ressemblent sur Facebook. Donc, tous les fans que vous avez, c'est vrai que même si vous en avez peu, c'est très précieux, quoi. Hein. C'est vrai que à partir de 1000, même je dirais, c'est déjà intéressant. Hein. Alors après, plus c'est mieux, mais à partir de 1000, déjà, on fait des choses sympas, comme tu disais. À partir de 1000, tu peux même faire du business avec eux. Ouais. Tu peux avoir des produits, des objets et gagner un peu d'argent. Oui, parce que souvent, on s'imagine qu'il faut 1 million d'abonnés. Voilà, c'est faut pas. Si tu as 1000 fans hardcore, voilà. Tu entends la tronçonneuse derrière ? Non. Non. Non, non, c'est bien foutu le son. Ouais, impec. Mmh. C'est ta dernière heure ? Il vient pour toi. Il y a Benoît qui demande si tu es déjà sur les plateformes, est-ce que Wiseband peut encore faire de plus? J'imagine que c'est ça ta question, mais... Alors, non. Nous, en tout cas, on travaille que ce qu'on distribue, mais ce qu'on peut faire, c'est gérer pour toi le merch, la boutique et la partie e-commerce physique, quoi. Alors, c'est-à-dire, dans Wiseband, tu peux faire un ou les deux, ou c'est vraiment optionnel tout ça. C'est vrai que ce qu'il faut quand même préciser, parce que peut-être pour ceux qui n'auraient pas compris, donc Wiseband, c'est un distributeur digital qui se distribue lui-même d'ailleurs, donc qui ne passe pas par un autre, et puis aussi un site de merchandising. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre, parce que finalement, il n'y en a pas 40. Hein. Même Couroneco, ils font du vinyle, mais ils ne font pas de merch, je crois. Ils passent par vous, justement, donc tu as dit. Donc voilà. Mais donc il y a ces deux aspects-là. Mais ce qui est intéressant que tu pourrais peut-être nous dire, c'est que... quand on est chez quelqu'un d'autre, vous vous occupez de comme la portabilité du numéro de téléphone portable. Quand tu es chez SFR, tu en auras plus et tu vas aller chez Orange. Alors, on va soigner ça pour que ça se passe bien. Mais typiquement, c'est les plateformes qui gèrent ça. OK. Et la seule condition pour que ça se passe bien, c'est d'utiliser les mêmes codes ISRC. OK. Et après, chaque plateforme a ses méthodes, mais normalement, il y a une continuité qui est assurée comme ça. D'où l'importance de prendre un distributeur qui te donne les codes ISRC. Ce qui Bien est sûr. Toujours le cas. Donc ça, il faut aller voir dans les conditions de pouvoir réutiliser ces codes ISRC après.
D'accord. Ça se passe bien, ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai, faites attention au code ISRC. Je crois que on peut le générer soi-même, je crois, avec en allant sur un site de SCPP ou SPPF, je crois, voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas compris, c'est l'agrégateur qui va le générer automatiquement. Et c'est là que ça peut poser souci, c'est ça? Oui, parce qu'il y en a qui, dans les conditions, tu n'as pas le droit d'utiliser ce code-là ailleurs. Ah, tu vois. Pas gentil, ça. Il faut que j'aille voir dans nos conditions ce qu'on a marqué, mais en tout cas, ce que je confirme, c'est que dans les faits, nos codes ISRC sont réutilisables, enfin, sont la propriété de l'artiste, en fait. Bon, en tout cas, vous pouvez normalement, enfin, vous pouvez héberger, c'est pas le mot, mais je veux dire, vous pouvez récupérer le catalogue d'un artiste qui est chez un autre, quoi. Oui, alors, il n'y a pas de transfert dans les plateformes pour ça. Ouais. Il faut une livraison, il faut une distribution, et ensuite, c'est la plateforme qui va matcher les deux. Et alors, il faut qu'il y en ait un qui se désiste quand même dans l'affaire. Oui. Qui se retire. Oui, j'osais pas le dire. Et voilà, non, mais voilà, soyons honnêtes, hein, c'est le bon. Ben, sinon, ça crée des conflits, mais ça se gère aussi. Mais ça fonctionne bien, le transfert. Très bien. Mais en tout cas, bon, pour répondre à la question de Benoît, c'est vrai que si la sortie elle a été faite, c'est une question de transfert, mais par contre, la promo, c'est mort, quoi. Ben, ce type de promo-là, oui. Ouais, c'est mort. Ok, et écoute, peut-être je reviens rebondir sur ce que tu as dit parce que je m'en rendais pas compte. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui proposent la distrib et le physique. Bah oui, donc ça, des fois c'est un peu confus. Dans Wiseband, tu te demandes où tu es, oui, et puis on pourrait se dire que c'est deux choses différentes, donc autant faire bien une chose, donc la distribution digitale. Mais pour nous, le physique, c'est important. Pour cette question de données dont je t'ai parlé tout à l'heure, ouais. Quand l'email de l'acheteur, enfin de ton fan, ça a de la valeur et c'est important que tu puisses donner ça à ton distributeur. Donc, dans Wiseband, c'est le même, pour qu'il puisse en sortir quelque chose pour toi, l'artiste. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est important. C'est vrai que la fanbase, et c'est pas la peine d'avoir des milliers et des milliers, quelques centaines hardcore, c'est mieux. Et puis c'est vrai que la course au like, bon, faut arrêter, hein. C'est vrai que c'est pas ça qui fait vendre, et c'est pas ça qui fait acheter, c'est pas ça qui, voilà. S'il y en a, tant mieux, mais c'est vrai que je trouve que les campagnes sur Facebook pour avoir des likes, c'est 2010, quoi. C'est que maintenant on n'est plus sur des conversions, c'est-à-dire que vraiment, voilà, tu fais une pub parce que tu veux que on aille écouter un son et qu'on aille éventuellement acheter du merch, ouais. Tu sais à quoi ça sert, ça? Ça sert de gonfler les likes. Et même les streams sur les plateformes, parce que ça se fait aussi, ça sert que pour les médias. Oui, c'est ça, voilà. C'est les garanties pour ta campagne, ouais, média. Mais si tu as switché et que tu es plutôt focus sur tes fans, vraiment, tu n'as pas besoin de ça. Alors, ce qui est relou quand même, c'est qu'on en parlait avec Cécile Bernier de Boudeux hier, l'éditeur. Les fermaclics, quoi, c'est quand même super relou parce que contrairement au live Facebook où tu prends pas d'argent, là, les fermaclics, ça fonctionne sur l'enveloppe droit d'auteur et droit de producteur, quoi. Donc, c'est un peu relou. Je pense que c'est beaucoup plus gros qu'on ne le pense. Bah oui. Je sais que c'est beaucoup plus gros qu'on ne le pense. Je pense que ça peut faire jusqu'à 10% sur les plateformes. Putain, c'est ouf, hein. Après, c'est quelque chose contre lequel elle lutte, et nous aussi, quand on identifie ça, eh bien, on stoppe. Mais c'est dur à identifier, apparemment. Mais oui, alors, ça dépend, parce que YouTube fait ça depuis plus de 10 ans, et, ouais, ouais. Et ils sont, c'est les meilleurs. Tu peux essayer de gonfler ton truc sur YouTube, ça va gonfler pendant 2 heures, puis le lendemain, ça redevient normal, tu vois, et c'est des algorithmes qui font ça, il n'y a personne derrière. Donc c'est possible, mais il faut un peu d'expérience, et les plateformes sont en train de développer ça. Ok. Mais je confirme que ça existe. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, écoute, Mousse, un grand merci pour ta participation. C'était cool. Donc, que dire, il y a des choses à annoncer. Donc, pour octobre, il y a peut-être, bon, en tout cas, pour la fin de l'année, le pack, là, de… Les packs promo, ouais, c'est vraiment ça, notre actu. Et puis, j'espère pouvoir voir des artistes au MAMA. Ouais, carrément. Dont on est partenaire, comme tous les ans. Donc voilà. Le MAMA, bah tiens, on va leur faire un petit coup au MAMA parce que c'est vrai que c'est important, surtout cette édition cette année, 14, 15, 16 octobre 2020,
Donc voilà, les accréditations, billetterie, tout ça, c'est en ligne. Donc mamafestival.com, je vous mets le lien du site, ça c'est hyper important. Donc 3 jours à Pigalle, dans tous les lieux de Pigalle. Je ne sais pas si c'est dans les sex shops aussi d'ailleurs, parce que c'est marrant, on en a parlé avec Alain Lahana qui a fait un concert de Guédré au Sexodrome. Donc c'est assez marrant. Donc je ne sais pas si finalement on va réussir à un moment donné à convertir tous les lieux de Pigalle pour faire partie de l'écosystème, mais c'était assez marrant. Je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, mais c'est assez marrant. Il a fait un concert dans la vitrine, tu sais, du Sexodrome. Elle ouais. était là et c'était, je crois que c'était pendant le confinement d'ailleurs, justement, parce qu'on pouvait pas faire de salle de concert. Et donc, en fait, il était retransmis ensuite en vidéo et les gens entendaient le son sur leur mobile et voyaient la Guédré dans le Sexodrome en train de chanter ses chansons via la petite boutique, quoi. Donc, c'est vrai que c'est des idées. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut trouver aujourd'hui, c'est des idées. Et justement, sur le digital, pareil, il y a encore plein de trucs à trouver, hein, j'imagine. Ça, c'est sûr. Toi qui es un curieux, en plus, j'imagine, tu es en train de chercher déjà les bonnes idées de demain. On cherche, oui. Bon, ben Mousse, merci beaucoup. Merci et à toi. Et puis, écoute... pour te féliciter pour tout ce que tu fais pour les artistes. Ben, merci beaucoup. On précise que tu étais venu en physique à l'atelier, quand même, hein, quand cet atelier, voilà, bon, on ne sait pas si on reviendra un jour, mais en attendant, voilà, on t'a vu en vrai. On a vu tes moustaches en vrai. Et puis, au Studio Bleu. Et puis, écoute, tiens-nous au courant de la suite, hein, les packs promo, tout ça, on pourra en reparler d'ici la fin de l'année. Rendez-vous à la rentrée. À l'automne. Merci, bon été. Salut, Mousse. Ciao. Alors, il y a Joe qui frappe à la porte de façon assez virulente. Voilà, c'est aujourd'hui. Voilà, il a envie de se montrer. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec Henri-Pierre Mousset, donc alias Mousse, donc qui est le fondateur de Wiseband. Donc, Wiseband, je vous avais montré effectivement donc l'écran, mais on peut refaire un petit focus sur Wiseband. Où suis-je? Wiseband avec un chien sur les genoux, c'était pas évident, mais voilà, wiseband.fr, je vous mets le lien en commentaire ici. Voilà, donc c'est à la fois un distributeur digital et un pro du merchandising, donc ça c'est important de le comprendre. Que dire d'autre, voilà, donc on va approcher bientôt des vacances, hein, parce que Joe m'a demandé de faire une pause, donc on va faire une pause. Donc je pense que Mousse était notre avant-dernier invité avant le mois d'août. Donc demain non, ne pleurez pas, c'est pas grave, demain on se verra pas, mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder toutes les rencontres sur la chaîne YouTube, notamment via la playlist que je vous ai donnée. Je vois des commentaires. Gaëtan, bravo, HP, la bise. Voilà, Gaëtan Tapier, encore un fan de Mousse. Voilà. Cécile Huet Mousset, donc merch.wiseband.com, CD Deviné Vinyle. Voilà, bon, ça c'est un lien, j'imagine, direct vers donc le merch physique. Voilà, que dire d'autre? Donc demain, on ne se verra pas, ne soyez pas tristes. On se verra donc lundi pour l'avant-dernière avec Stéphanie Rodoz de W Spectacle, donc le tourneur de Wagram, et mardi avec Nicolas Schauer. Voilà. Sinon, évidemment, merci beaucoup Sébastien, c'est sympa. D'ailleurs, je ne sais pas encore qui, mais j'ai vu qu'il y avait eu un tipeur pendant le live. Merci beaucoup, c'est très sympa. Je vous remets le lien. Ça fait toujours plaisir. Le Covid n'a pas été gentil en plus, donc voilà, bon, avec personne, vous me direz. Ah si, il a été gentil avec le digital, visiblement, hein, comme vous a dit Mousse, finalement, il n'a pas été très rude avec le digital. Donc, en tous les cas, merci beaucoup. Effectivement, si vous voulez, si vous aimez ce contenu et vous voulez me soutenir, tipeee3e.com/l'atelier de Cédric, ça fait toujours plaisir. Voilà, que dire d'autre? Je vois sur le chat privé que Mousse me dit au revoir. Merci beaucoup, Mousse. À très bientôt. Merci à tous. Donc, je vous dis, on se retrouve lundi et mardi prochain. Puis ensuite, on fera une petite pause d'août. Mais toutes ces rencontres sont évidemment toujours visibles, soit sur le fil d'actualité Facebook qui tourne, soit sur la chaîne YouTube, dont je vous remets la playlist ici et qui est évidemment consommable gratuitement et à volonté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi. Bye bye.